Je vous espère en pleine forme. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet qui me tient à cœur, qui s'appelle Deuxième Jeunesse. Deuxième Jeunesse, c'est un programme qui est adressé aux plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis 7 ans que je facilite des stages Life Force, ce qui donne sens à ma vie et valeur à mes actes, pour vous aider à vous accompagner, à retrouver le SAV de votre vie, à en prendre soin, santé, amour, vitalité. Pourquoi? Parce que j'ai compris, comme jeune professionnel de santé, il y a plus de 30 ans, que sans santé, on était malade. Sans amour pour soi et pour les autres, on se sentait sans aucune valeur. Et sans vitalité, on se sentait fatigué, crevé en permanence. Vous le savez, j'ai eu la chance d'énormément voyager dans ma vie et de continuer à voyager énormément. Et je me suis rendu compte que c'était principal. On peut être en santé, en amour et en vitalité par choix et pas par chance. Je me suis passionné pour l'épigénétique, pour les choix de vie qu'on fait au quotidien qui peuvent complètement transformer la donne. Vous savez que j'ai passé du temps dans toutes les zones bleues de notre planète, que j'ai eu la chance de m'occuper de beaucoup de centenaires, de nonagénaires en bonne santé, et ça a complètement changé mon paradigme sur la vieillesse. Parce que oui, on peut rajouter de la vie à ses années et des années à sa vie, mais d'abord la longévité, ça commence par rajouter de la vie à ses années. Si on se sent déprimé, si on est frustré, en colère, triste, si on n'aime pas sa vie, à quoi bon vouloir rallonger sa vie? D'abord, comment on ramène de la joie au quotidien dans sa vie? La joie, c'est le curseur. Ce programme Deuxième Jeunesse, il est vraiment adressé aux personnes qui arrivent dans cette deuxième phase de vie, pardon, après plus de 50 ans. Dans mes stages, j'ai tous les âges et là, j'ai voulu vraiment dédier un accompagnement de 3 mois avec moi pour ces personnes, pour vous qui arrivez dans cette deuxième phase de vie. Peut-être vous êtes à la recherche d'une nouvelle raison d'être, les enfants sont grands, vous arrivez à l'âge de la pré-retraite ou vous êtes en retraite, les maladies, le manque d'énergie commencent à arriver et vous allez voir que ce n'est pas une fatalité. Encore une fois, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix au quotidien. Quels sont les choix que vous faites au quotidien sur différentes aires qu'on va voir en long, en large et en profondeur, comme la gestion de l'intériorité? Qu'est-ce que vous faites tous les jours quand il y a des choses que vous ne voulez pas qui arrivent, quand il y a des choses que vous voulez qui n'arrivent pas? Comment vous gérez ça? Ça, c'est essentiel. Et ensuite, on va voir tous les principes du vivant pour avoir une meilleure immunité et plus d'énergie, notamment les rythmes de vie, la nutrition, des cinq sens, le mouvement, pas l'exercice physique, le mouvement naturel. Est-ce que vous avez suffisamment de mouvement naturel pour rajeunir votre corps, pour libérer ces vieux blocages? Ces vieux blocages, ce n'est pas une fatalité. Par contre, je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas les principes pour harmoniser leur corps, harmoniser ce qu'on appelle les champs contractiles. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose à mettre en place tous les jours. Comme je dis toujours, c'est simple, mais c'est pas simpliste. On va parler énormément de respiration. Je me suis rendu compte dans mes deux premières passions d'ostéopathe et de kinésithérapeute, où j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes, que 9 adultes sur 10 ne sait plus respirer. Vous respirez 23 000 fois par jour. On va réapprendre à respirer ensemble et vous allez voir à quel point c'est transformateur. C'est le pont entre la conscience et l'inconscience, la respiration. C'est essentiel. L'état d'esprit, on va voir énormément de principes aussi sur le mindset. Je dis toujours que la qualité de nos vies dépend de la qualité des questions qu'on se pose. C'est essentiel. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez être en bonne santé, plein de vitalité et en amour avec vous et avec l'environnement dans lequel vous vivez dans cette deuxième partie de vie. Le pourquoi, il est essentiel. Sous-entendu, guérir de sa maladie, ce n'est pas une raison d'être et ce n'est pas un projet de vie. Le pourquoi, il est clé sur redonner du sens à votre vie dans cette deuxième partie de vie pour en profiter pleinement, pour peut-être aller réaliser tous les rêves que vous n'avez pas eu le temps ou pas osé réaliser jusque-là, que vous avez mis de côté. Vous allez voir que ce programme Deuxième Jeunesse, c'est vraiment un accompagnement sur mesure fait pour les plus de 50 ans. Vous savez qu'en stage, j'accompagne toutes les tranches d'âge, ça va de 7 ans à 91 ans, et j'ai voulu vraiment dédier tous ces principes de Life Force pour
vous, pour cette population qui arrive dans cette deuxième tranche de vie, pour que vous puissiez en profiter pleinement. C'est quelque chose qui est très important dans mon parcours de vie, pour moi, qui fait énormément sens et je suis ravi de vous le partager. Si ça fait écho, si ça résonne en vous, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous et prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe où vous allez pouvoir avoir un petit bilan santé-vitalité et voir si ce programme vous correspond. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté.